Salut les gars, bienvenue sur la route, bienvenue pour une nouvelle vidéo et bienvenue aussi pour la suite de notre aventure direction Monaco. Cette fois, je suis aux abords de Monaco, donc j'ai décidé d'aller me promener dans Monaco en fait à moto, parce que j'y suis jamais allé. Et je me suis dit qu'on allait filmer tout ça parce qu'on va peut-être pas revenir d'aussitôt. Et ben écoutez les gars, je vous amène avec moi, c'est parti. Bon, tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner. Parce que si vous aimez les vidéos de balade à moto, vous êtes sur la bonne chaîne. Là, aujourd'hui, on est dans le sud, plus précisément à Monaco. Je suis venu ici 2-3 jours pour faire plein de belles vidéos, justement, à vous proposer sur la chaîne. Moi, de base, c'est plus des vidéos dans ma région, dans le Vercors, là où j'habite. Mais c'est tellement bien aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je suis vraiment content d'être là. Donc, bah écoute, je t'invite à t'abonner pour rien rater de toutes les prochaines aventures. Bon les gars, je suis désolé, on entend vachement le bruit du porte-clés dans cette vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que ça va pas trop vous gêner quand même. Désolé les gars, je m'en suis rendu compte que après avoir revu les images. Allez, zou. Waouh, ça c'est le palais de Monaco là-bas, c'est beau. Waouh. On va essayer de pas faire de conneries, on va rouler tranquille parce que je pense que Monaco, il doit y avoir un peu des radars partout. On va pas faire de bruit, on va aller tranquille, faire notre petite vidéo sans déranger personne et on s'en ira. Nous c'est à droite, ouais là, allez. Ouais, je pense qu'on devrait croiser pas mal de belles voitures aussi ici dans le coin. Hein. Monaco c'est quand même bien connu pour ça, pour son jardin de son parc automobile assez c'est riche quoi, on va dire riche, je pense que c'est le bon terme, le bon adjectif. Alors nous on va tout droit, voilà. Qu'est-ce qui fait beau? Encore aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Allez-y, monsieur. C'est chouette l'architecture, toutes ces couleurs là. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà venu à Monaco, s'il y en a qui connaissent, s'il y en a qui viennent souvent ici ou qui aimeraient bien venir tout simplement. Moi c'est la première fois. Je découvre en même temps que vous là. Mais oui, c'est. Disons que tous ceux qui sont tout en haut de ces immeubles, ils doivent avoir une sacrée vue de leur terrasse. Hein. Waouh la vache! Eh ben on va aller voir le casino tant qu'à faire. Je crois que c'est à voir. Hein. Il me semble que c'est joli. Hop, attention les cars. Hop, on va descendre par là. Je sais pas du tout où on va. J'ai mis un point GPS un peu au pif. Puis après je me repérerai mieux de une fois que je serai arrêté. Nous on va tout droit. Pour l'instant on est bon. Hop, on continue, on descend. Waouh, il y a une Ferrari déjà devant nous là. Magnifique. Au passage. Il y a le droit de passer là? Oui.
je vais m'arrêter par là parce que je sais pas trop où je vais honnêtement. Alors attendez, je fais un petit point sur le GPS et je vous reprends tout de suite. A few moments later. Allez, on est reparti, direction la place du casino. J'ai trouvé ça sur le GPS, je suis pas loin, on va aller voir. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'il y a à voir à Monaco, alors je vais m'arrêter de point en point et regarder voir ce que ça me propose. Hein, on va faire les vrais touristes. Hein. Ah, mais regardez-moi cette Ferrari, j'y connais rien au modèle, mais elle est belle. Waouh, 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 waouh. Alors là, à droite. En tout cas, il y a un paquet de deux roues ici aussi. Ouh, il y a de ces bâtiments là, disons, c'est beau. Hein. Ça sent le luxe, effectivement. Dior, tout ça. On va pas faire les magasins ici, les gars. Non, alors en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est propre. Il n'y a rien qui traîne par terre, il n'y a pas un papier. C'est super propre. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller là. Bonjour. Je peux me garer là? Ok. Bah je vais me... Ouais, je vais me mettre là. Ça va jamais rentrer là. Ouais. Je vais continuer plus loin. Je me promène, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu, je me promène. Je peux passer par là? Ok, merci. Merci bien. Là, on dirait qu'on est sur le circuit de Formule 1. Si je me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le circuit de Formule 1 de Monaco. Excellent. Ah, regardez, il y a les gradins. Ah, c'est excellent d'être là. Bon, là, bah, c'est fermé, on peut pas y aller. Bon, la place du casino, apparemment, on n'y avait pas accès en moto. Il voulait que je me gare sur une toute petite place, ça allait être trop la merde. Moi, je me sentais pas de me garer là. Alors, eh ben, tant pis. Hein. Regardez-moi ces magasins. C'est vrai, c'est... On n'est pas chez Renault ici. Bon, je vais me placer là parce que je sais pas trop du tout où je vais, je suis complètement paumé. Je vais faire le point sur le GPS. Bon, et ben je tombe dans un endroit sans réseau, donc j'ai pas de GPS. Alors je vais essayer de rouler jusqu'à retrouver du réseau parce que là, honnêtement, je suis paumé complet. Hop, allez go, pendant qu'il y a personne, on y va vite. Alors, autre direction, Fontvieille, Cap d'Ail, Nice. Ben je vois qu'il y a marqué port, on va essayer d'aller voir le port. Alors là, c'est vraiment tout à l'arrache. Allez, 4, elle est belle, hein. Alors moi je suis perdu, non pas par là. Bon, eh bien les gars, c'est tout fermé de partout, il y a des policiers partout parce que je crois qu'ils sont en train d'installer pour le GP. Oh, regardez ça, une McLaren.
sais pas du tout où je vais. J'en ai aucune idée. Bon bah là on est dans les tunnels. J'aimerais bien m'arrêter quand même pour savoir où je vais. S'arrêter par là. Ah. On va essayer de trouver du réseau. Déjà. Bon, regardez les gars. Tout ce que je voulais, enfin tout ce qui était, tous les endroits où je voulais aller à Monaco, c'est tout bloqué. Regardez la place du Palais, on peut pas y aller. Il y avait les gendarmes, enfin la police tout à l'heure. Tout le front de mer là, il est tout bouché là aussi. Donc bah c'est dommage. Bah écoutez les gars, on va arrêter la vidéo là-dessus, hein. C'était pas très long, je suis désolé. Mais ouais, Monaco, en fait je me suis pas renseigné avant de venir, hein, comme je pars un peu à l'aventure. Et je crois bien qu'ils sont en train d'installer pour la course de Formule 1. Donc c'est pour ça que c'est un peu tout fermé de partout. Bah écoutez, j'espère que ça vous a quand même plu de traverser un peu Monaco avec moi. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.